Good morning, everybody. I hope that you have started your week very well. So today I am back with a new lesson, and today we're gonna study English phrases for daily use. English phrases for daily use. Comme d'habitude, bonjour à tous. Comme d'habitude, je suis là avec une nouvelle leçon d'abord. Comme d'habitude, je vais faire la leçon en anglais et puis c'est juste la lecture parce que la leçon elle est traduite. Il y a une phrase en française, en français, en anglais pardon, et une autre en anglais juste en dessous, comme vous allez le constater. Alors aujourd'hui nous allons étudier les phrases que vous avez besoin dans la vie de tous les jours, les phrases qu'on utilise au quotidien. Alors nous aurons une série de, je sais pas, peut-être 5 à 6 leçons. Je vais vous donner des phrases utiles pour la conversation de tous les jours. Vous savez, les francophones, pardon, ont ce problème-là. Ils bûchent ou bien ils mémorisent beaucoup de vocabulaire, mais lorsqu'il s'agit de faire la conversation, construire vos propres phrases, pardon, il est un peu difficile de s'en sortir parce que bûcher ou bien mémoriser beaucoup de mots sans pouvoir savoir quelle est l'implication grammaticale, quel mot vient avant l'autre, quel temps verbal utiliser, ça bloque certains dans la conversation. Alors, je vais introduire cette série. Nous aurons 5 à 6 leçons, je pense, si Dieu le veut. Alors, nous commençons aujourd'hui avec les présentations. One, the introductions, introductions ou introductions. Alors la prononciation dépend. Une petite pause ici. Les Américains ont tendance à prononcer introductions de deux façons. Introductions avec sans le T ou bien introductions. Alors je vais enfin dans cette leçon, je pense que ce sera bilingue complètement. Donc nous allons lire la partie en anglais, puis la partie traduite en dessous et vous donner un peu de contexte, quand est-ce qu'on peut utiliser ce genre de phrase. Alors, nous sommes dans les présentations. Vous venez de rencontrer quelqu'un ou bien quelqu'un vient de vous présenter une tierce personne. Généralement, c'est ce genre de choses qu'on se dit pendant ce genre de conversation. A, I am so pleased to meet you. I'm so pleased to meet you. La traduction, je suis très enchanté de faire ta connaissance, ou mais je suis très enchanté de faire votre connaissance. Alors en anglais, vous et tu, c'est la même chose. You, c'est pour vous et pour tu. Il n'y a pas de différence comme en français. Je suis très enchanté de faire ta connaissance, ou je suis très enchanté de te rencontrer. Ou bien je suis très enchanté de faire votre connaissance, ou je suis très enchanté de vous rencontrer. Alors B, I have heard so much about you. I have heard so much about you. I have heard so much about you. La traduction, on m'a beaucoup parlé de vous, ou bien j'en ai entendu beaucoup à votre sujet, mais je pense que la première traduction est meilleure. On m'a beaucoup parlé de vous. La deuxième traduction est un peu péjorative. J'en ai entendu beaucoup à votre sujet. C'est comme si j'en ai entendu beaucoup d'histoires sordides, beaucoup d'histoires pas trop belles à votre sujet. Je pense que la première traduction est meilleur. Alors nous passons à la prochaine phrase. It's good to have you here. It's good to have you here. Généralement, c'est une phrase qu'on dit pour remonter le moral d'une personne. Peut-être que vous êtes à une petite fête. Vous avez un ami que vous avez invité, peut-être qu'il n'a pas beaucoup d'amis là-bas. Vous pouvez le lui dire pour lui remonter le moral. Alors la traduction, c'est ça fait plaisir de vous avoir parmi nous. Ça, c'est une des traductions. Vous allez constater qu'il n'y a pas de nous dans la version anglaise. Alors, je vous conseille de faire beaucoup attention parce que la traduction, pardon, de l'anglais vers le français, généralement, c'est pas le mot à mot. Je vous ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut faire attention. Il faut beaucoup plus chercher à sortir le sens et non à faire une traduction mot par mot. Alors, la deuxième traduction de cette phrase, It's good to have you here. C'est ça fait plaisir que vous soyez là. Je pense que cette traduction sied plus à la phrase. Ça fait plaisir que vous soyez là. Alors, D, I'd like you to meet someone.
I'd like you to meet someone. Alors la traduction, c'est je voudrais vous présenter à quelqu'un. Ou bien je voudrais que vous rencontriez quelqu'un. Je voudrais vous présenter à quelqu'un. Ou je voudrais vous présenter quelqu'un. Je pense que c'est mieux. Je voudrais vous présenter quelqu'un. Oui, je voudrais vous présenter quelqu'un. Je pense que c'est mieux. C'est une petite erreur grammaticale ici. La traduction, c'est je voudrais vous présenter quelqu'un. Je pense bien, je voudrais vous présenter. Je voudrais vous présenter à quelqu'un. Alors là, je pense que je lui ai présenté. Je l'ai présenté. Je lui ai présenté. Je pense que je voudrais vous présenter à quelqu'un. Je pense que c'est mieux. Ou bien vous pouvez dire je voudrais que vous rencontriez quelqu'un. C'est-à-dire, il y a un ami. Il y a une troisième personne que vous voudriez présenter à votre ami. Je pense que vous pouvez dire I'd like you to meet someone en anglais. Ça donne le sens. Alors, I'll leave you to get acquainted. I'll leave you to get acquainted. La traduction, c'est je veux vous laisser faire connaissance. Je vous laisser faire connaissance. Oui, je vais vous laisser vous deux faire connaissance. Alors, c'est plus lourd. Je pense que c'est mieux de dire je vais vous laisser faire connaissance. Donc, vous avez présenté une personne à une tierce personne. Et puis, vous dites à ces deux personnes, je vais vous laisser faire connaissance. Dire les deux là sont là en face à face. Et puis, vous leur dites. Alors, je vais vous laisser faire connaissance. Alors, la phrase en anglais pour dire cela, c'est I'll leave you to get acquainted. To get acquainted, c'est faire connaissance en anglais. To get acquainted. Acquainted or acquainted. Alors, nous passons à la phrase suivante. Please call me. Please call me. F, please call me. Alors, la traduction, c'est je vous en prie, appelez-moi. Ou bien appelez-moi, je vous en prie. Ou s'il vous plaît, appelez-moi. Tout ça peut aller. G, I almost didn't recognize you. La traduction en français, c'est j'ai failli presque ne pas vous reconnaître. J'ai failli presque ne pas vous reconnaître. H, have you met before? Alors la traduction littérale ici, c'est nous sommes-nous rencontrés auparavant? Qui est un peu lourd, mais on peut c'est un peu de l'alléger parce que le sens c'est est-ce qu'on se connaît? On se connaît avec un ton interrogatif. On se connaît? En anglais, on dit have you met before? Have we met before? Have we met before? La dernière phrase, c'est it's good to see you again. It's good to see you again. It's good to see you again. La traduction c'est ça fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de vous voir à nouveau. Alors, vous aurez constaté pendant toute la leçon, les personnes qui parlent utilisent beaucoup de contractions. I am so pleased, I have heard. Et puis, it's good, I'd like you to. Or leave all instead of I will. I would like. Ils utilisent I'd like instead of I would like. Donc, dans la conversation de tous les jours, les anglophones aiment beaucoup utiliser la contraction. Donc, il faut vous y faire. Il faut vous y faire. C'est monnaie courante dans la conversation. Donc, je pense que vous aurez appris quelque chose dans cette leçon. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Si vous avez des questions, des recommandations, des critiques, des suggestions, je vous suggère de les laisser en commentaire. Passez une excellente semaine.